Salut à tous, bienvenue sur TV7. Cette semaine, Ça part en live s'intéresse à une voix, à une artiste, un univers, comme on disait à la Nouvelle Star il y a quelques années. Chloé Védi écrit des chansons, s'accompagne au piano et propose un répertoire acéré, assassin, mais également sensuel. Bref, le répertoire d'une jeune fille plutôt pas mal dans son époque. Et c'est dans ce très beau lieu ici, en plein cœur du Triangle bordelais, le Théâtre Trianon à Bordeaux, qu'elle nous a donné rendez-vous pour 3 titres en live. Donc, le Ça part en live de Chloé Védi, c'est maintenant et c'est sur TV7. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de jouer tranquillement ces 3 morceaux comme ça en piano-voix cette semaine sur TV7. Bordelaise pure souche ou pas du tout? Pas trop, pas à trop. Moitié on va dire. Ouais, tu viens d'où? Je viens de Limoges à l'origine. D'accord, et tu es à Bordeaux depuis quand? Ça va faire 4 ans. D'accord. La musique, c'est arrivé à quel âge dans ta vie? Alors j'ai commencé à chanter à l'âge de 11 ans. Ouais. Et après, j'ai commencé le piano un peu plus tard, vers 13-14 ans, et c'est là où j'ai commencé à composer mes propres morceaux. Ah oui, très tôt quand même, hein? Très tôt. Avant de parler de tes compos, à 11 ans, tu te rappelles des chansons que tu chantais, justement? Oui, mon idole, c'était Jennifer, et dans la cour de récré, j'étais comme une folle. Ma révolution. Dans mon jardin secret, tout mon corps est en arme. La sève de son feuillage. Tu as choisi de passer par la case école avec un prof de chant. La technique, la base, c'est primordial. Tu n'as pas choisi d'être autodidacte, justement? Il me paraissait bien d'avoir quelques bases vocales, donc c'est pour ça que j'ai pris des cours de chant. Je trouve que c'est toujours bien. Tu continues? Alors, les cours de chant, non. Le piano, je continue toujours à prendre des cours. Ouais. Tu ne pouvais t'accompagner qu'au piano, la guitare c'était pas possible par exemple, c'était vraiment le piano et rien d'autre? C'est vrai que j'ai eu un coup de foudre très tôt pour le piano et, et c'est resté comme ça. Et donc tu as remporté des prix en tant qu'auteur-compositeur, quels sont ces prix? C'était en juillet dernier, en première partie de Art Mango. Ouais, le Toulousain Art Mango. Hein. Voilà. On connaît le fameux single, toi tu n'étais pas né, c'était la fin des années 80, le parfum de sa vie, qu'il a peut-être chanté sur scène. Oui. Ouais. Et j'en ai participé à un autre en 2015, c'était Jeune en scène, parrainé par Saint-Séverino. Mmh, mmh. Voilà. On parlait des chansons des autres, chanter ses propres chansons, c'est mieux. En début d'émission, je parlais d'univers, comme on disait la Nouvelle Star il y a quelques années. Ton univers à toi, c'est quoi justement? Je dirais qu'il est à la fois sensuel, critique et... Critique de la société dans laquelle tu critique vis. Critique et décalée, je dirais, parce que j'utilise pas mal d'humour, ouais, d'autodérision pour décrire ce que j'observe. Mmh. Donc, je dirais plutôt que ça. Toute seule, je savoure ma peau crème. Dans mes va et vient coule la Seine. Ma rosée s'étale entre mes deux pétales pour une fleur de mal. En attendant l'expert qui viendra satisfaire mon besoin animal. Toute seule, je savoure ma peau crème. Dans mes va et vient coule la Seine. Une femme fontaine, lequel fera de moi
une femme fontaine. Mais alors, tu as tout construit, tu as tout fait toute seule ou tu t'es entourée de musiciens ? J'ai coécrit mes morceaux justement avec un auteur qui s'appelle Luc Talieux, qui est de Toulouse. Ouais. Et c'est un peu grâce à lui qui m'a donné envie d'écrire et de me connaître plus en tant que jeune femme. Ouais. Et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à écrire. Les trois morceaux que tu as la gentillesse de jouer pour nous dans ce superbe lieu qu'est le Théâtre Trianon ici à Bordeaux, quelques mots sur ces trois morceaux. Le premier tout d'abord. Alors le premier c'est Jardin secret. Je dirais que le message c'est plus montrer l'indépendance de la femme. Ça amène à se poser des questions sur la beauté, sur la confiance en soi, plein de choses comme ça. Ouais. Le deuxième. Artificiel, je parle plutôt de superficialité, de chirurgie esthétique et tout ce que ça peut engendrer sur les conséquences au rapport qu'ont les jeunes filles, sur les relations amoureuses, plein de choses. Ouais. Donc c'est un personnage, mais à la fois je m'identifie. Mmh. Je comprends. Il y a toujours une proximité avec... Il y a un double sens dans l'écriture, je comprends. Jalouse du mannequin idéal, tu n'es pas une aurore boréale. Tous les défauts de ta nature sont encore là sous ta peinture. Au bout de tes yeux, tes fossiles sont plus vivants que ton regard. Te voilà fille de crocodile. Le waterproof est à prévoir. Avec tes lèvres en collagène, tu es élue Miss Daffy Duck. Tu dois avoir ça dans les veines. Tu balances entre fuck et suck. Mais comme un feu d'artifice, ce soir on t'a de bouquet, juste un pétard. Pas d'amoureux, juste un fêtard. Ce soir on t'allume, demoiselle. Cher à canon superficiel. Pas d'amour, pas de septième ciel. Tu n'es qu'un feu artificiel. Tu te ton cul dans tous les miroirs des boutiques, mais pour voir ton cul et morue, faudrait une vue microscopique. Ta vie est une impasse en pente que tu prends pour un défilé. Du haut de tes chaussures bruyantes, dans moins d'une heure, tu seras couché. Et le troisième morceau ? Le troisième, c'est La fille sur le pont. Ouais. Donc là, il n'y a pas du tout d'humour ni d'autodérision. C'est plus un titre personnel sur ce que je ressens de l'adolescence à la jeune femme que je suis. Vu ton jeune âge, Chloé, je peux justement te demander ton âge. 22 ans. 22 ans. Et à 22 ans, tu te poses déjà toutes ces questions ? Ça bouillonne. Ça bouillonne ? Ça bouillonne. Ça chauffe ? Ça chauffe. Ouais. Je quitte à peine une rive. Quand déjà l'autre arrive, c'est quoi ce compte de pont? C'est la vie, tu dis.
Je cherche mon équilibre entre son bois, mes fibres. Quand soudain je vacille, la femme tuera la fille. Le pont me rattrape au tournant. Suis-je dans la bonne direction? Reverrai-je un jour ses louanges? Quand je n'étais pour vous qu'un ange, sans garde-fou, un ajout, ce contre-fou de ce qu'il y a dessous. Je suis sur le pont, je suis sur le pont. Quand j'y pense, l'ivresse de mon enfance, le temps passé se boit comme un shoot de vodka. Le pont m'accompagne en craquant, mon pas est plus sûr maintenant. Chanterai-je un jour ces louanges quand je retournerai chez les je suis sur le pont, je suis sur le pont. Sans garde-fou, un ajout, ce contre-fou de ce qu'il y a dessous. Je suis sur le pont, je suis sur le pont. Y a pas moyen à mon âge de traverser à la nage. Y a pas je suis sur le pont, je suis sur le pont. Aujourd'hui, Chloé, un artiste n'attend pas les maisons de disques, les radios ou les télévisions pour se faire connaître. Aujourd'hui, il y a YouTube. Tu es également passée par la case YouTube? Oui, ouais. J'ai sorti mon premier clip, L'Overdose, ouais. Qui est sorti en juin. En juin dernier, ouais. Voilà. Sur la scène du Trianon, mais pas que, où est-ce qu'on va pouvoir te voir et t'applaudir prochainement, Chloé? Alors, j'ai une petite date le 24 janvier à Carbon Blanc, dans un bar à vin qui s'appelle Au Vin. Ouais. Et en mars prochain, je serai au Rocher de Pelmer avec Mathieu Bogart qui pas sera mal. En première partie. Pas mal. Et puis à suivre sur ta page Facebook, à suivre sur tes différents réseaux sociaux. Merci mille fois d'avoir été avec nous et de nous avoir invités dans ce superbe lieu. Chloé Velli, à suivre très prochainement un peu partout en France, voire plus si affinité. En tout cas, nous, elle est avec nous cette semaine sur TV7 dans Ça part en live. Merci. Merci à toi. Qu'est-ce que c'était bien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment passé un bon moment. C'était Chloé Velli cette semaine dans Ça part en live sur TV7. Rendez-vous très très vite. À bientôt. Dans mes choix, mes dérives,
C'est la vie, tu dis bien.